Et il est où, Romain? Il est où, Romain? Il est là, il y a à peine 10 minutes. Terrible. Ils me font passer tous. Oui, il y a David qui est en direct, comme ça il peut vérifier, il peut regarder là. Bien. Notre David à nous. Bonjour David. Bonjour. Voilà. Bonjour David. Bonjour David. Coucou Dada. Coucou Dadou. Directeur à genoux, c'est merveilleux ça.
Gabriel, Jasmine, et Liv. Bravo. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avoir des jeunes qui ont eu envie de témoigner de ce que Jésus a fait pour eux dans leur vie. Donc il va y avoir Jessica, Enzo et Gabriel. Toi aussi tu veux? D'accord. Donc Jessica, merci. Depuis à peine le temps où je commençais tout juste à prononcer quelques mots, mon grand-père me parlait déjà de Dieu. Alors moi, je pensais que c'était juste des histoires parmi tant d'autres, des contes de fées. Plusieurs mois et années ont passé, et vers l'âge de 10 ans, un jour après l'école, il me demanda si je souhaitais venir un dimanche matin avec lui au culte à l'Assemblée chrétienne, pour découvrir et voir ce qui vivait chaque dimanche. J'ai accepté. Après être venue cette première fois pour m'encourager davantage et venir chaque dimanche, il m'avait proposé de me donner 2,50 € d'argent de poche à chaque fois que je venais. J'ai accepté même si j'y allais pas vraiment pour ça, mais au début c'était plus pour lui faire plaisir et passer du temps avec lui et voir mes amis. Le temps est passé, j'ai commencé à m'intéresser et à me poser beaucoup, beaucoup de questions. Mon grand-père m'a offert une Bible et j'ai commencé à lire avec lui. Et je savais que j'avais soif de Dieu car je voulais toujours en savoir plus. Et après les cours du collège, je venais tout le temps, environ 30 minutes, une heure ou même deux heures parfois, pour parler de Jésus avec lui et lire sa parole. J'ai commencé à prier avec lui. Et de jour en jour, ma vie ne devenait plus la même. Je changeais petit à petit et je ne voyais plus la vie pareille. J'ai eu plusieurs songes. Je voyais vraiment que Jésus était présent. Et voulait toucher mon cœur et me faire passer des messages à travers des rêves. Puis un jour, on m'a parlé de la colonie de Yannick, et donc pour la première fois, je suis allée dans une colonie évangélique. C'était en 2015. Un soir à la veillée, Yannick a fait un appel pour ceux qui voulaient, compris pour eux, et qui voulaient donner leur vie à Jésus. Alors même si je n'osais pas y aller, j'y suis quand même y allée, car une petite voix me disait « vas-y », et j'en avais tellement besoin et envie. Donc j'y suis allée. Plein de personnes ont prié pour moi et j'ai senti une force, une puissance indescriptible venir toucher mon cœur et remplir ce manque que j'avais en moi. Ce soir-là, j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai donné ma vie. J'ai vraiment ressenti sa présence. Dieu est bon. Et après ce jour-là, je n'ai plus hésité, j'ai rapidement dit à Yannick que je voulais me faire baptiser. Le baptême fut et mon cœur fut complètement changé. J'étais née une nouvelle personne, ma vie était nouvelle. Quand mon grand-père a su la nouvelle, il était très fier et heureux pour sa petite fille. Quand la colonie a pris fin et que je rentrais chez moi, le dimanche qui arrivait, j'allais plus à l'église pour faire plaisir ou passer le temps, mais j'y allais pour louer et prier de tout mon cœur le Seigneur. 2 ans ont passé et Satan n'était vraiment pas content, j'ai eu des épreuves et étapes très difficiles. Mais Jésus était avec moi, alors j'en revenais plus fort malgré tout. Mon grand-père m'a apporté beaucoup depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, cela fait seulement 3 mois qu'il n'est plus là. Il avait 75 ans, je l'ai vu décéder devant mes yeux. Ce jour-là, il m'a fait un énorme choc et je n'aurais jamais pensé qu'il allait partir à ce moment-là car il n'avait aucune maladie et il était en très bonne forme. Et pour moi, c'était possible qu'il reste en vie au moins jusqu'à 80 ans, je ne m'y attendais pas du tout. Comme quoi, à n'importe quel âge, maladie ou non, on peut partir alors qu'on ne s'y attend pas du tout. Alors c'est très important de donner son cœur à Dieu et être prêt avant qu'il revienne sur terre ou qu'il reprenne votre vie. J'ai peut-être eu beaucoup de tristesse depuis cette séparation et le fait que mon grand-père ne soit plus à mes côtés physiquement. Mais je prie à Dieu et il me console et au fond, je sais que mon grand-père et sauvé. Amen. Et récemment, j'ai fait un songe où je revoyais mon grand-père. J'étais super contente de le revoir. Je lui ai exactement dit, je suis super heureuse de te voir. Et il m'a répondu, mais maintenant je suis avec Jésus-Christ, je suis juste venue pour te le dire. Amen. Il faut que je reparte, mais sache que je suis très fière de toi. Et je me suis réveillée. Amen. Sachez que Dieu est merveilleux et que si vous le
louez et priez de tout votre cœur, de toute votre âme, et que vous voulez vraiment un changement, il viendra toucher votre cœur. N'oubliez pas qu'il est mort pour nous et qu'il vous aime. Vous êtes très important pour lui, nous sommes Amen. Ses enfants. Seigneur, aujourd'hui, je témoigne ce que tu as fait dans ma vie, car je t'aime. Amen. Amen. Témoignage, on va peut-être avoir une petite chorégraphie par Anaïs. Tu es d'accord, Anaïs? Sur un chant, sur Nous annonçons le roi, avec Romain, avec le G4. Quand j'étais petite, j'avais même pas un mois. Je m'étais ouvert l'estomac. On m'a emmené à l'hôpital et quand je suis arrivée là-bas, j'avais plus rien parce que le Seigneur m'avait guéri. Amen. Amen. Merci. Jésus est merveilleux, il fait des miracles encore aujourd'hui. Voilà, les jeunes peuvent en témoigner. Et maintenant, nous allons regarder un mime intitulé « Amour » avec Romain. Amen. «
papa, mais les gens. Je ne visitais pas papa. Mais ça va, mais ça ira. Je ne sais pas le papa, ça ira. Non. Comment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, non, c'est bon. Mais non, non, c'est bon. Allez, maman, il faut que je discute quand même. C'est le jardin maintenant. Alors ? Oui, je comprends, mais c'est qui, c'est ça. Et quand papa, il est hâté, c'est surtout maman qu'il fallait qu'on le convainque. Papa, il est hâté, c'est un fou. Je vais vous expliquer. Ça a baissé un peu parce que c'est long. Il y a un jour que je reviens, s'il te plaît. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a pris nos péchés en mourant sur la croix. Il était innocent, mais il a payé les fautes et les crimes de chacun d'entre nous. Il est mort pour nos fautes et nos défauts. La méchanceté, l'égoïsme, la maladie, la moquerie et l'insouciance. Il s'est chargé de nos crimes, il nous a pardonné tous nos péchés. Le troisième jour de sa mort sur la croix, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui et il t'offre la vie éternelle. T'as qu'une chose à faire, de l'accepter comme ton sauveur pour tout l'amour qu'il a à te donner.
Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que n'importe qui croit en lui et meure, mais qu'il ait la vie éternelle.
a aussi envie de témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Vous allez voir, c'est bizarre. Amen. Merci à Enzo sur vos témoignages. Je vais expliquer ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça fait 2 semaines qu'il a fait quelque chose dans ma vie, parce qu'avant, Jésus, je ne le connaissais pas. Donc, je vais vous expliquer un peu toute ma vie, du début jusqu'à maintenant. Donc, quand j'étais petit, ma mère m'a abandonnée. Donc, j'ai vécu toute ma vie avec mon père. Et puis, il a rencontré une femme qui est maintenant ma belle-mère. Et puis, j'ai grandi avec mon père jusqu'à il y a 3 ans. Il est tombé malade d'un cancer et qui est décédé. Et donc maintenant, je vis avec ma belle-mère. Et j'ai fait des erreurs dans ma vie, beaucoup de bêtises. Je me suis fait renvoyer de mon collège. Et elle m'a envoyé en colonie comme punition. Et je suis arrivée ici, et puis, enfin, comme j'étais punie, ben, j'étais pas content. Puis la première veillée, ben, ça m'a pas du tout intéressée. Et puis j'ai ouvert mon cœur et j'ai écouté ce que Yannick a dit. Et puis j'ai ressenti comme un frisson. Je suis allée voir Romain et il m'a dit bah, c'est le Saint-Esprit qui est venu toquer à ton cœur. Mmh. Donc je suis allée me coucher et le soir j'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis je me suis dit bah, pourquoi pas ouvrir mon cœur à Jésus. Et je l'ai fait et il a rempli un vide dans mon cœur depuis que mon père était mort et il a réussi à le remplir et à me donner de la joie, de la bonne humeur. Et je remercie vraiment Yannick pour ça. Et Jésus aussi. Amen. Voilà, mais maintenant, il va y avoir des chants avec Romain et le groupe G4. Et j'ai 6. Et j'ai 6. Et j'ai 3 aussi, les filles. Ceux qui veulent, ceux qui ont envie de chanter avec moi. Je
Alors. Alors, nous avons un autre témoignage, Gabriel, qui est un peu timide, donc voilà, dans l'encourage. Merci. Alors moi je suis née dans une famille chrétienne déjà. Donc dans ma vie j'ai eu des moments de faiblesse, des moments très difficiles, mais Dieu m'a toujours relevée, sauf que à ce moment-là, ben je savais pas vraiment que Jésus. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin voilà quoi, je. Voilà. Et en fait. Mes parents sont séparés quand j'avais un an à peu près. Donc j'ai vécu sans père, donc voilà. Et il n'y a pas très longtemps, voilà. Dans un week-end chrétien aussi, et ben le soir à une veillée, et ben je me disais oui bon c'est un week-end normal, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Mais en fait, non, parce que ce soir-là, ben, le Seigneur m'a vraiment, entré en moi. Donc, il m'a vraiment visité. J'ai ressenti des trucs. Enfin, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai ressenti. Et depuis ce moment-là, j'aime le Seigneur et j'ai soif de lui. Amen. Et je veux le servir pour toujours, car c'est mon Dieu et je l'aime. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, il va y avoir une pièce de théâtre qui s'intitule Une erreur de justice. Avec Romain. Donc, et c'est bientôt fini. Qui et comment on va faire le premier chant? On va faire le premier chien. Oui. Maintenant? Non, non, après. D'accord, ouais, d'accord. Merci. Je peux Merci.
L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire vraie. Elle s'est passée il y a très longtemps en Amérique. Elle raconte une histoire de justice. À moins que. Mais écoutez plutôt. Harley et Ashley sont deux sœurs jumelles. Petites, elles se ressemblaient tellement que personne au village ne pouvait les distinguer l'une de l'autre. En grandissant, elles se développent tout à fait différemment. Ashley prend un bon métier. Elle est aimable, appliquée et travaille dur. Harley, au contraire, ne travaille pas. Elle est paresseuse et en plus, elle ne pense qu'au plaisir de la vie, passant toutes ses soirées à boire et à jouer pour de l'argent, ne rentrant le